En décembre 2019, sur antenne radio Télé Zénith, ancien sénateur Luesla Antonio Cherami, alias Don Kato, a déclaré. Si toutefois, président Jovenel Moïse a décidé de suspendre le contrat sojourner ensemble avec pouvoir haïtien, c'est parce que Madame Li Martine Moïse avec Sherif Abdallah a mis sous pied une compagnie d'électricité. Jusqu'à présent, Don Kato Poko capable by preuve de déclaration si là. Dans le mois qui s'est passé là, dans l'année 2022, Listin Diallo a dressé liste 12 oligarques qui gagnaient dans le pays d'Haïti. Et parmi oligarques, ça y gagnait plusieurs qui gagnaient diverses entreprises en République dominicaine ou du moins États-Unis. Mais, dans l'année 2021, soit 16 août 2021, eh bien, SDP est débarqué dans le Grand Sud, là, mesdames et messieurs, côté Otal Pote aide pour les gens qui étaient victimes d'un tremblement de terre 14 août 2021. Et, pile rumeur t'a couru, c'est Ariel Henry qui t'a baillé toute provision que t'a gagné besoin pour être capable d'albailler. Mais, ancien sénateur Nenel Kassi t'a déclaré, non, nous pas l'argent pour voir dans mes nous. Nous pas manger l'argent pour voir et nous pas jamais manger l'argent pour voir. C'est bons amis nous, Renold Dib, qui t'a fait une façon, qui t'a ba nous moyen pour nous aider mon grand studio. Dans tête nous, pour qui ça tout ralé mené vini ça? Eh bien, c'est parce que Canada a décidé de prendre sanction contre trois gros chabraques en un pays d'Haïti. Gen yon la dan yo qui sont milliardaires. Nous pral koné qui est soyé. Talè kon sa. Commissaire Jacques Lafontaine pote yon démenti formel. Mesdames et messieurs, par rapport avec information qui t'a vle fait quoi, l'Italie libéré Djuma, qui se chef gang Simon Pelé. Selon Jacques Lafontaine, jusqu'à présent, Djuma lui-même li en bas verrou, qui donc, c'est rumeur qui a circulé pour capable ternir réputation. Pour qui ça, un monde t'a obligé à ternir réputation Jacques Lafontaine. C'est question ça qui a posé. Fedlay mon chéri prend coup. Fedlay mon chéri prend coup, mesdames et messieurs. Les États-Unis coupent visa Fedel, non moi qui saute passé à la. Li pagé doit mettre même point de pied là en République Dominicaine. Lem di nou bagayo papiti ya, bagayo papiti. Coucou tout le monde, bienvenue sur InfoSec, chaîne Information Noire avec Fabula Jean-Charles. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous rentrer la caille ensemble avec rubrique Information ça. Bien avant nous aller plus loin après temps, pour nous dire merci, ensemble avec vous-même qui like, qui commente, qui partage. Merci ensemble avec vous-même qui toujours invitez une famille ou vos amis abonnés à InfoSec pour être capable toujours être connecté avec bonne information. Jeudi à ce lundi 5 décembre 2022. Mesdames et messieurs, gagne série moun que Canada prend sanction contre que les États-Unis pour qu'on gagne capacité pour lui prendre sanction tant coup ancien président république là Joseph Michel Martelly. Selon Miami Herald, ta supposé gagner un dossier qui dressé afin pour États-Unis capable sanctionner moun sa yo puisque yo gagne des privilèges américain, c'est soit yo c'est résident ou du moins yo gagné en pile bien aux États-Unis et y a vivre depuis quelques années dans pays ici là en tant que citizen, citoyen américain qui donc la vraiment difficile si pas gagné un dossier qui fait pour capable sanctionner moun sa yo et par moun sa yo. Nous tendez Joseph Michel Martelly, puisque malgré toute relation, Joseph Lambert avec Yuri La Tortue, tagué ensemble avec les États-Unis, mesdames et messieurs, ça pas empêcher yo prend sanction, yo joue une sanction pa yo. Eh bien, je dis à la, yo paquet moun a posé cette question. Pour qui ça yo pas parlé de Joseph Michel Martelly, j'en ai parlé de Ronnie Célestin, j'en ai parlé de Hervé Foucault, entre autres. Eh bien, Joseph Michel Martelly, c'est un citoyen américain. Si nous sommes capables de définir le concept, donc là, vraiment difficile pour les États-Unis prononcer une sanction
contre Michel Martelly. Par contre, Canada lui-même, lui gagne toute liberté pour être capable de prononcer sanctions, pour être capable de geler bien Joseph Michel Martelly. Comme bagay kapé, bagay yo pas gagné marché. Pour une pause, retourner marché encore. Canada frappé, mesdames et messieurs. Cette fois-ci, il frappé trois oligarques en dans pays d'Haïti. Non, t'es sur l'isla. Nous te dit non, c'est pas vrai. Eh bien, Mélanie Joly, ministre Affaires étrangères Canada, li baye toute raison qui la cause ça. Sherif Abdallah. Sherif Abdallah, c'est un Égyptien, mesdames et messieurs, qui fait en Égypte dans Caire. Caire, c'est une ville en Égypte. Eh bien, Sherif Abdallah, dans le pays d'Haïti, depuis plusieurs décennies, mesdames et messieurs, côté, il gagne comme mission pour être capable de distribuer produits alimentaires, mais aussi, il gagne une chaîne hélicoptère. Sherif Abdallah gagne diverses pompes gaz en Haïti, en République Dominicaine, mais aussi aux États-Unis. Qui donc, c'est un monde qui gagne l'argent qui va essayer de capoter pièce côté. Dans l'année 2018, il a fait connaître que Yves Léonard t'a crasé caille qui t'a gagné dans environ résidence président Jovenel Moïse et c'est la caille Sherif Abdallah qui t'a fait 2-3 jours. Sherif Abdallah gen nom ki cité nan yon paquet crime en dans pays d'Haïti. Sherif Abdallah gen nom ki cité comme moun ki a koré bandi en dans pays d'Haïti. Sherif Abdallah gen nom ki cité nan corruption en dans pays d'Haïti. Deuxième moun c'est Renold Dib. Nèg Bogwa, nèg Letla, ti monsieur SDP yo et je le fond Renold Dib au Canada et en Haïti, vle di, yo paquet bagay. Je le fond Renold Dib, kote yo pren sanction koti pour corruption et soutenir groupe bandi, vle di que SDP pas épargné de ça qui a fait là. Visa André Michel Coupé, visa Marjorie Michel Coupé, quand on a le Cassia, nous pas même besoin de parler de lui. Et Nenel Kassi te fait un coup très intelligent, mesdames et messieurs. Le Nenel Kassi te décide, li te dit, li pas dans question SDP ça encore, li te gen raison que li te déclaré qualité parole ça. Tout Nenel Kassi a essayé de dire, li pas dans cause SDP ça encore. Donc SDP pas aller dans même ligne ensemble avec lui. Li là pour goumer pour peuple là, c'est parce que Nenel Kassi te gitan ouais et connaît qui ça qui pas arrivé. C'est parce que Nenel Kassi te gitan comprendre qui ça qui t'a pral passé. Li dit m'pas prêt là parce que si a coupé visa, m'pas d'accord coupé visa, m'pas d'accord je les fond donc m'lagué pied mais ça Nenel Kassi pas connaît c'est que dossier yo toujours été là. Troisième oligarque, mesdames et messieurs, c'est Gilbert Bigio qui gagne GB Group que revenne Bigio lui-même li a dirigé. Dans l'année qui s'est passée là, Forbes te classé Bigio parmi milliardaires yo puisque il te gagne un revenu qui est estimé à 2 milliards de dollars américains. Et puis devant, Bigio habite dans yon quartier qui plus chic et plus cher dans Miami côté gagne seulement 86 résidents et 36 cailles. Nous capables de comprendre qui ça veut dire. Donc, il va arrêter même côté ensemble avec tout l'autre monde. T'as gagné un article qui t'est sorti. Côté titre, c'était Big Yo, un milliardaire dans un pays pauvre. Qui Jean Big Yo fait arriver à accumuler des millions alors que Haïti, c'est un pays qui est pauvre. C'est question ça, yon paquet moun a posé. Qui Jean Big Yo fait joindre tout l'argent sa yo. Nous connaît, li gagne à Syrie d'Haïti, li gagne la Fito, tout sa yo sous contrôle, Gilbert Big Yo. Côté te gen parole un pile qui t'a fait comme quoi, c'est lui même qui kembe Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Et fuck tout connaît, groupe bandit sa yo qui apprend en puissance de jour en jour, eh bien, ce sont des personnes, mesdames et messieurs, qui gagnent des gros bras de yo. Et m'songe, j'ai une déclaration Reginald Boulos.
Déclaration originale Bouleur, ça te dit comme ça que yo gen wash, nous gen zam. Yo gen paye nan meyo, nous même nous gen l'argent. Ça qui vient dit que nous gen capacité pour nous craser yo puis mal passer yo ti scarabée en bas pied nous, puis mal passer dans cette nuisible. Elle te même fait connait peuple ça, c'est un peuple qui te grand goût. N'importe mille goud, n'importe petit sac diri, ou la gen nan yon base, la gen capacité pour écraser n'importe gros mouvement populaire qui a fait dans la rue. Donc là, Chérif Abdallah, Gilbert Bigio, ok? Moun sa yo, yon un collimateur Canada, Renault Dib, yon ensemble de moun, qui gagne gros entreprise en de pays d'Haïti. Yon a produit alimentaire, yon a électricité, yon a essence, yon a tout pi gros industrie pays d'Haïti yo. Imaginez nous Canada qui pral geler compte Gilbert Bigio. Nous comprenons qui quantité l'argent qui pral perdu. Et gagne gros babine qui derrière toujours. Baga yo éparence. Baga yo pa fin faire affaire nous et puis prend pause non. Pas un bail comme ça. Nous comprenons que nous avons crasé le pays d'Haïti, nous fin craser, nous virons de nous aller. On paquette, ti chien, yon paquette, ti bête, qui tout jouné ap jappé, tout jouné ap mandé, en bas plat pied, moun qui envie kapé tout bon vrai pour faire révolution. Nous payons yon pour ça. Eh bien, Canada dit, n'a continué chéri. C'est kounya pral gen sanction. Range corps doudou, parce que là, nous pral yon compte nous gelé. La situation est grave. Et qui de série moun la nous partende depuis les sanctions ou comment c'est tombé à? La vraie timoy. Qui de série moun nous partende qui toute journée te de tête manifestation, te sous béton, toute journée on en radio depuis le Canada avec États-Unis. Comment c'est bay sanctions moun sa ou fait silence? Yo bat en retraite, mesdames et messieurs. Donc, yo pas gagné possibilité pour yo quitter bagay kon sa rive yo. Non. Oh. Blague d'abay. Yo pa ka quitter bagay kon sa rive yo. Et voilà, mesdames et messieurs, Canada a continué faire causer pa bon ici. Commissaire Jacques Lafontaine gagne gros accusation sous dol comme quoi li ta fait libérer un chef gang qui pote nan Djuma qui t'a dirigé nan Simon Pelé. Commissaire Jacques Lafontaine dit c'est une campagne de dénigrement qui a fait contre lui. Pas de bagaille comme ça. Libérer chef gang, il pas la donne. Mais jusqu'à présent, il y a même question qui a tourné. Qui est Jacques Lafontaine? Est-ce qu'il est commissaire gouvernement toujours? Ou du moins c'est Richemont qui commissaire gouvernement Port-au-Prince? Jusqu'à présent, nous flouons dans le dossier si là. Jacques Lafontaine a visité prison. Jacques Lafontaine n'a pas qu'à tout temps. Ou tande ou te révoqué? Qui le? Qui Jean? Comment? Révocation sa li même te arrivé fait? Nous pas connaît. Nous pas connaît. Donc là, il est évident que pays d'Haïti, justice sa qui dans pays sa, c'est une justice malachon. C'est une justice tête pas droite. Le commissaire Jacques Lafontaine, qui a essayé de faire tout travail sa yo, Bertondo se révoqué. Sans préavis et sans raison valable, jusqu'à présent, pas de monde qui vient remplacer. Si Jacques Lafontaine a dit OK, liquide tête paquet Port-au-Prince, qui ça la justice, ça lui-même y tourne. Machin zé oui, fig, pain à man bas, c'est sa justice haïtienne naye. Yo justice de marchandage. Au justice qu'il a, au plus offrant. Chef gang sous chef gang, arrestation sous arrestation, c'est kounya bagayo ap envlime en de pays d'Haïti. Fednel, mon chéri, prekou. Fednel, mon chéri, prekou. Fednel indexé dans massacre la Saline, mesdames et messieurs. Yote arrêté ensemble avec plusieurs plaques nan mel. États-Unis coupé visage. Pas de bagay comme ça. Ou chita là, ou ap gagné point en dans pays d'Haïti, ou comprenez? Ou pa gagné point en dans pays pa moun yo. États-Unis dit non, bagay kon sa, li pa la donne, fòk ou jere zen la kayou. Tout frappe que ou bay citoyen haïtien yo, fòk ou senti frappe sa yo jouk nan zo. Et visa André Michel,
visa Marjorie Michel, yo tout coupé. Et par rapport à ça, avec information ça, mesdames et messieurs, m'a porté plus de détails pour vous. Avant nous aller, ensemble avec moi, entendez complète moun Carrefour Feuille qui jusqu'à présent n'est en situation qui compliquée. Ça m'a dit encore avec chef police là. Si c'est pas vendre les vendre Carrefour Feuille, si c'est pas vendre les vendre ça vendre puis ça bandit, c'est pour le voir bas quoi pour l'air à le porter bas quoi bail police Carrefour Feuille, il a blessé en l'air, il a pris un balle en l'air. Semaines, et passé 300 familles à Angers, qui étaient résidences privées dans la zone de Salon de Sage, avec qui ont couru pour bandits dans l'avenue, puis TV, envahi zone. Et jusqu'à date, les familles sont beaucoup capables. La police qui est là et qui toujours fait effort à chaque fois qu'il y a possibilité pour nous porter solidarité nous, avec nous dans une situation difficile. Situation qui passe à Carrefour Feuille, capable de nous, de doublement affecter. De affecter dans un premier temps parce que Carrefour Feuille, c'est là que je fête, c'est là que je vis pendant toute vie. C'est là le goudou, il la libé, c'est là que l'école, c'est là que je fête tout. Enfance. Et je vous dis, ça y est, c'est là qu'on a joué au football. Et je m'a regardé tout le monde qui l'a eu. Je dis à moi-même, c'est de monde qui c'est peut-être petit, cousin. De monde que nous avons appris football ensemble. Donc, réalité, ça, nous croyons que, en tant que monde et en tant que citoyen, nous sommes doublement interpellés. Mais ça qui fait mal beaucoup plus, à côté de la situation, ça, c'est l'indifférence de l'État. Parce que chaque grand monde dans une société sont citoyens qui ont droit, qui ont devoir. Et nous sentons que, je voulais vous dire, ça qui a passé là, qui n'est pas différent de ce qui a passé, Matissan de ce qui est passé, et en fait, Cité Soleil de ce qui est passé, et Croix des Bouquets, et qui c'est réalité presque tout département l'Ouest. Nous dit que ça fait mal en plus. Mais nous garder, c'est à nouveau ça que le pays nous a réduit. Mais nous garder l'indifférence, nous qui est responsabilité de l'État en même. Nous dit que la société est déshumanisée. Le pays est un jeune. Côté que nous avons dirigé par des bandits. Parce que le comportement de qui est dans l'État, c'est terrible que le comportement de bandits qui mette nous dans la situation. Parce qu'il est de responsabilité de l'État. Chaque fois qu'il y a des cas de ce genre, côté que l'État nous est intervenu de manifester. Moi, je saisis apprendre que depuis l'événement, ça pas jamais de personne dans l'État. Qui jamais venir là pour aider nous, les map garder dans quelle situation, dans quelle condition nous nous à vivre là. Ça fait mal, ça fait pitié. Les map garder situation de policiers que nous connaissons, qui abandonnés, qui prennent un otage, qui ont brûlé, l'État n'a pas dit un nid. La police n'a plus au niveau, pas dit un nid. Pas possible. La police n'a réduit tant plus un corps de sécurité qui est au service de ministres. Et de premier ministre et moun qui ont responsabilité en tête d'État et qui continuent à piller l'État et mettre toutes ressources d'État au service de eux-mêmes. Ça fait mal, c'est triste. Nous-mêmes, au niveau fondation La Police, nous posons accès en tant que citoyens, en tant que monde.
nous croyons que l'important, le minimum que nous gagnons pour nous partager. Parce que aider l'autre monde, c'est un devoir sacré. Pas gagner une bouteille qui crampe qui pas appuyer sur l'autre. Je veux dire, quel que soit citoyen ou là, quel que soit niveau où il est dans l'État, tu as un groupe qui t'a aidé ou qui fait courir de sortir. Il est dur, il est difficile pour imaginer le pays ça avec des gens qui ont Directeur a demandé pour nous te balle lycée parce qu'elle était pour l'école qui a ouvert. Nous pas y côté nous aller pour qu'on monte en l'air. Et ça m'a dit encore avec l'État haïtien. Ça m'a dit encore avec chef police là. Si c'est pas 20 000 bonnes qu'on fout faire. Si c'est pas 20 000 bonnes ça 20 pistaches à bandit. C'est pour le voir bas quoi en l'air à le porter. Bah quoi bah les policiers qu'a fait ils ont blessé en l'air qu'a pris un balle en l'air et si Tisha a pas supposé des limites pour traquer bandit en l'air et si on t'a sanctionné un policier qu'a fait qui traque un bandit nous même n'a prend la rue n'a prend la rue nous et depuis que nous connais ça seulement on t'a sanctionné qu'a fait n'a prend la rue parce que le policier qu'a fait c'est eux même qui kembe nous là c'est pas volonté l'État c'est pas volonté d'aider au kembe nous là c'est policier qu'a fait qui kembe nous là si l'État pas vend ça vend plus ça avec bandit avec tilapli c'est pour le voir et bah quoi bah nous on l'a pour parce que quand vous faites pas tourner Matisse ça vend pistache pas tourner Matisse et nous besoin tout pour déloger nous là parce que dans le mois de janvier si les voilà pour venir pas arrêter là et pas prendre mouton l'air pour aller bas bandit ou aller bas tuer nous faut que l'État fonge avec nous comme pas je me donne une nouvelle Ariel Henry font truit dit pour ta dit nous prend courage ou bien ça l'a fait ensemble avec nous seulement mais nous là même sous côté ne pas connaître. Qui ça, si son bon monde qui sont loupé, si son être vivant, il n'y a pas qu'on est. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça situation lui-même. Il continue à dérouler dans la zone savane, pistache, Carrefour, côté jusqu'à présent, Mounio dans le lycée. Carrefour là et gagné un belson gros nègre ancien membre SPNH 17 qui te fait un gros geste ensemble avec moun sa yo côté li te bayo on ti crasse provision pour être capable subvenir ensemble avec besoin et grand gouyo c'est là nous mettez bout ensemble avec information pour jodi a merci d'être que ou like commenter partager merci d'être que ou invitez yon famille ou yon ami ou abonné ak info 5 pour capable gagne bon information nous ba rendez-vous pour prochaine sortie rubrique ça restez bien. Et protégez-vous. Bye bye, à la prochaine.